funny. You look funny. You look funny. When is that metro coming? Oh. Non. Juste un petit ici. Attendez, c'était à quelle heure déjà? Ah, je sais, je sais, je sais, je sais. On va retourner pont de l'oiseau. Pont de l'oiseau, il y a l'air d'y avoir énormément d'indices, mine de rien. L'heure, c'était 5h, hein. L'heure qui était indiquée ici, il me semble que c'était 5h. Par contre, là c'est chelou. Okay. Il me semble de mémoire que c'était 5h. Hein. Non, ils reviennent pas les mecs. Oh! Attendez, 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 attendez. Attendez, je l'ai. Il y a un dernier truc que j'ai pas pris. Parce que tout ça là. Il y a un 3 là, mais le poignard c'est le 8, la fleur c'est le 5, l'encre c'est. Mais le 3 qui traîne là, c'est un indice de quoi? Donc là on a l'os, on a l'oiseau, puis on a un dé avec 4 et un 6 dans un cœur. Je vais photographier. Je vais photographier ces trucs-là parce que. Ces tatouages-là, parce que si ça se trouve, ça va m'aider. Et si je lui électrocute sa race, lui? Je dis ça, je dis rien, hein. C'était quoi? C'était haut. Non. C'était haut droite. Attendez. Haut. Droite, haut gauche. Il avait fait un truc que je crois. Hein, Non. Mais Est-ce qu'il y avait pas un truc?
dégueulasse. Hein. Nice technique. Y'a un achievement là-dessus. Y'a un putain d'achievement là-dessus. Y'a un achievement là-dessus. J'en peux plus. J'en peux plus de ma vie. J'en peux plus de ma life. Tuez-moi. Putain, quoi. Le jeu vidéo, mesdames et messieurs. Tirez-moi la moustache, tirez-lui la moustache là plutôt là. Ça fait mal. Bordel quoi, les tortures nulles quoi. Ah la vache. Oh. Hey, ouais, et si je fais ça, attendez. Que j'enlève ça. Je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever. Est-ce que je peux enlever le fil? Non plus. Non, à mon avis, c'est juste pour expliquer un petit peu le courant. Mais si je fais haut gauche. Effectivement, j'ai du courant là. Je sais pas à quoi ça peut m'aider, mais j'ai du courant là. Après, il y a ça là aussi, hein. Ça clignote toujours. Elle est morte, Adèle. Est-ce que j'aurais raté un truc au quartier de la douleur? Y a un truc là? Oh bordel de merde. Oh. C'était où ça? Ça me parle, c'était où? J'avais même dit, ça ressemble au début du jeu précédent, de The Past Within. Ça doit être dans, donc ça doit être dans les premiers. J'ai retenu le code. Hein. Les trois en haut et c'est 1, 2, 3, 9. Si je regarde comme sur un cadran. C'était pas le Lando? Non, c'était pas au Lando. C'était où qu'il y avait comme ça un code qu'on pouvait taper? C'était là. Ok. Et ben, il nous reste plus qu'un seul. Ok, du coup, on va retourner au lac. Au lac, on n'a pas eu beaucoup d'indices. Je vais peut-être réexplorer un petit peu le lac.
Ici, y a rien. Que ça donnera un indice. Ah, c'est pourquoi j'ai cliqué. Non, c'est randomisé. C'est randomisé, donc c'est pas un indice. Bon. Donc dans l'histoire, il me manque juste une crevette, et à mon avis, le mec doit donner un ticket qui doit amener la clé. Parce que je suis sûr que dans la rue des âmes, le truc qui se trouve dans le casier. Dans le casier neuf, c'est le dernier casier qu'on n'a pas réussi à ouvrir. Et donc pour cela, à Landau, il faut donner une crevette au mec. La question c'est, où est la fameuse crevette? Pierce. Ça sent le chewing-gum. Putain, ça rend dingue.
J'ai encore un achievement. Creepy vermine. Attendez, 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 attendez. 4h05. I remember you. Donut, my favorite. Oui, on sait que c'est ton autre, c'est préféré. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. Bon, ça, on sait qu'on a les pickpockets, c'est bon. Bon, j'ai peut-être une ou deux pistes avec le carnet de Laura. Je m'attendais pas à ça. Ok, d'accord. Parce que dans le carnet, les yeux étaient rouges. Mais c'est quoi cette histoire de crevettes alors? C'était un fois 10? Merde, c'est parce que je voulais ça, le lac. J'ai même pas vérifié le son. J'espère que c'est pas trop infernal. D'accord, ok. D'accord, la logique c'est celle-là. Ok. Maintenant, on va accéder à une autre station de métro qu'on n'avait pas avant.
pour rencontrer Monsieur Hall, du coup. Et évidemment, c'est son groom. Ticket to the next station. One shrimp, please. The train leaves at 2:25. 2h25. Oui, c'est ça. Évidemment, hein. Le train de Monsieur Hall est forcément en or et nous sommes accueillis par le corbeau. Par Monsieur Crow. Ouais. Et bien sûr, on retrouve l'image de Laure et, à la fin, juste à la fin, on retrouve Rose et Laura, quoi. C'est l'image qu'on a avant d'aller voir Monsieur Hall, quoi. L'hôtel de Rusty Lake. Le chien sans âge. Le chien immortel. Eh ouais, il est loin le temps où on se rendait à l'hôtel de Rusty Lake en barque. Maintenant, il y a le train. Quoi qu'il dise ça, à mon avis, on est hacké. Eh non, j'ai parlé trop vite. On va y aller en barque. Donc, d'accord, donc Albus. Non, Albus et son frère. Je me souviens plus du nom du frère. Mais donc les frères alchimistes, hein, évidemment. Ok, et à mon avis, c'est là que va se terminer notre voyage. À l'hôtel de Rusty Lake. Peut-être qu'on va se retrouver par Monsieur Hall, je sais pas trop. Monsieur Hall, pardon. C'est beau, en tout cas. Back to work. Retourner au travail. Ah bah oui. Welcome back, Harvey. Bon retour parmi nous, Harvey. I am glad you're here. Je suis ravi qu'il soit là. Du travail nous attend. The day of the lake has come. L'avènement du lac est proche. Le voyage est terminé. L'avènement du lac approche. Souhaitez-vous recevoir une invitation? Enregistre-toi dès maintenant. Alors ça m'ouvre une fenêtre. Voulez-vous recevoir, évidemment, du coup. Non, bah je vais garder mon adresse email. C'est un Google Doc. What do you get from Monsieur Bat after on giving him a sim a shrimp? Golden ticket for the hotel. Your full name. Envoyé. Voilà, comme ça, je demande une invitation à l'hôtel de Rusty Lake. Eh, et badass quand même. Et par contre, le jeu était vraiment traduit en français. Dans le jeu, il n'y a pas à cliquer sur le texte.
Il n'y a pas à cliquer sur le texte, quoi, pour... Ça va. Par contre, du coup, ouais, je peux cliquer ici pour accéder à l'accueil. Ok. Eh ben, voilà. Eh ben, écoutez, ce jeu aura été assez rapide à faire, mine de rien. Quelle heure il est, là? Oui, alors, j'ai plus besoin du... 17h30, ouais, vous allez peut-être avoir 4 ou 5 épisodes, je dirais 4 épisodes. Eh bien écoutez, ce jeu est super et puis on attend avec impatience du coup la suite qui devrait se retrouver, se passer de nouveau du coup à Hôtel, certainement, avec Harvey. Ou alors, tout ça se passe avant du coup Rusty Lake Hotel qui est un vieux jeu et dans ce cas eh ben la boucle est bouclée j'ai envie de dire qu'en fait eh ben Harvey c'était le nous qui était chargé d'assassiner les invités de Rusty Lake dans Rusty Lake Hotel parce qu'on sait pas qui on a incarné dans Rusty Lake Hotel mais si ça se trouve en fait on a incarné Harvey et du coup ça fait référence à cela quoi mais si on nous envoie une invitation. Je pense plutôt que c'est pour un jeu prochain qui devrait sortir peut-être dans un an, on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que Rusty Lake, les jeux Rusty Lake vous plaisent toujours. Je me suis tapé l'intégrale, dont The Past Within, avec ma compagne Elodie. Donc vous pouvez aller voir la série sur ma chaîne YouTube, il y a 4 épisodes. Et puis voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine série.